Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc dès ce matin, eh bien, nous confirmons la configuration que nous avons donc suite au franchissement des 5449 points. On a bien ici validé le fait que cette zone qui était une résistance, eh bien, est devenue support. Donc nous avons toujours ici une zone de gap qui reste ouverte et nous avons inscrit un nouveau plus haut significatif dès ce matin. Donc nous sommes toujours dans une configuration haussière d'un point de vue ici l'unité de temps H4, on constate bien ici que les cours sont venus marquer une pression sur la bande de Bollinger supérieure et que l'on est toujours ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui constitue donc tous les signaux d'une possible poursuite de la dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs, nous avons toutefois un signal d'affaiblissement avec notamment les histogrammes ici du MACD qui évoluent d'une manière négative mais toujours dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Du point de vue du RSI, on est ici dans la zone de surachat, on s'est stabilisé dans cette zone et l'on peut noter qu'il n'y a pas de point haut significatif par rapport à la précédente zone de point haut qui avait donné lieu ici à cette phase de cotation à 5442.93. Donc il y a progression ici dans les points hauts sur les cotations, mais pas sur cet indicateur, ce qui peut constituer à terme un début de divergence baissière. Alors par rapport à cette configuration, on voit qu'on a un signal d'affaiblissement, mais qui n'est ni plus ni moins que une résultante du fait que nous sommes sortis ici de la dynamique précédente par rupture ici du support oblique. Le fait que l'on soit venu ici tester ce support comme résistance pourrait nous donner un signal de retournement, mais le fait que nous avons marqué une nouvelle zone de point haut significatif par rapport au précédent point haut significatif montre que nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Donc si on synthétise tous ces éléments, on a effectivement une sortie de la dynamique qui a été matérialisée ici par la rupture du support oblique, mais poursuite du mouvement haussier. Donc une tendance qui reste haussière, mais avec une dynamique différente. Et tant que l'on va continuer à marquer des nouveaux plus hauts significatifs et que l'on n'aura pas cassé ici ce point bas, les 5212 points, eh bien nous resterons dans une tendance certes moins forte, mais qui restera haussière. D'un point de vue très court terme, le mouvement ici est relativement dynamique et tant que les cours restent ici au-delà des 5449 points sans marquer une tentative trop forte de combler le gap qui a été inscrit dans cette semaine, eh bien nous avons un objectif de retour possible sur la zone des 5532 points qui est une zone majeure sur l'évolution moyen-long terme de l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera chargée notamment sur la deuxième partie de la séance, hein, c'est-à-dire sur l'après-midi, puisque du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'emploi américain et les NFP qui seront dévoilés à 14h30 et nous aurons simultanément les chiffres de l'emploi au Canada qui seront diffusés à la même heure. Et je vous rappelle que toutes ces diffusions, vous pourrez les vivre en direct lors du Trading Live qui démarrera à partir de 14h. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de mon trade, on se retrouve à partir de 14h sur la chaîne YouTube ou le chat du site boursicoté.com où le lien vous sera donné gratuitement et sans aucune demande d'obligation. Bonne séance et à tout à l'heure donc pour le Trading Live.